épisode de Let's Play de Pokémon. La totale. Alors, donc juste au début de vidéo, si ma souris veut bien tenir là. Donc, pendant ma petite pause où je voulais un petit peu entraîner, monter de niveau, et ben ça n'a pas très bien marché. J'ai capturé Boombidou. Donc, c'est un Pokémon où il faut aller... Juste quand vous êtes là, vous devez le capturer, vous devez le donner. Enfin, donner les données GPS du Pokédex à la petite dame qui est ici. Je m'excuse de dire heureusement, mais j'aimerais te demander un service. J'écoute. Oh, tu veux bien aider une personne que tu n'as jamais rencontrée et quel grand cœur. Je t'explique, je suis en lune de miel avec mon chéri et tout allait bien jusqu'à ce qu'il aperçoive un bon dibou sur la route 3. C'est un Pokémon qui n'existe pas chez nous et c'est dur à admettre, mais ça a été le coup de foudre pour lui. Il ne parle plus que de ça maintenant, son petit corps tout jaune, sa petite trompe toute mimi. Et c'est là que tu interviens, est-ce que tu voudrais bien capturer un Boombidou? Si je pouvais en savoir plus sur ce Pokémon, ce serait plus facile pour moi d'en attraper un. On en a vu sur la route 3, si tu fais ça pour moi, je saurais être reconnaissante. Tu as attrapé un Boombidou pour de vrai? Je peux voir ton Pokédex. Je vois, sa longue trompe lui sert à récupérer le pollen et le nectar des fleurs. C'est probablement ce qui a plu à mon chéri. Ah, c'est bizarre. Peut-être qu'il faudra que j'en attrape un pour comprendre ce qui fait son charme. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai sur moi. J'espère que ça suffira. 3000 Pokédollars. Bien sûr, ça suffit. Alors maintenant, on va... c'est vrai qu'on avait un petit rat... Je sais pas s'il a une évolution, lui. Ah, c'est un type fée. En tout cas, on va le laisser dans notre équipe et il montera de niveau. Pour le Pokédex. Alors, est-ce qu'il y aura enfin un petit Pokémon ici? Non, à mon avis, il veut pas venir. Il veut pas venir dans celui-là. Ce n'est pas grave. Donc du coup, le professeur avait perdu Lily et c'est à nous d'aller la retrouver. Il faut pas qu'on marche sur les petits trucs là. Magnéti est premier. Eh ben, on va voir qu'est-ce que c'est comme Pokémon qui se trimballe là-haut là. C'est sûrement un type vol. C'est pour ça que j'ai vu Lily Magnéti. Après, Piafabec. Est-ce qu'on l'a Piafabec? Est-ce qu'elle s'alterne d'un coup éclair? C'est de la défense ou l'attaque qui a baissé? En tout cas, de toute façon, ça sert à rien parce qu'il est quand même KO. Est-ce qu'il y a des dresseurs sur cette route? Il y en a peut-être un là-bas. Pokémon ont un talent particulier. Ben, j'ai hâte de voir le talent de tes Pokémon, monsieur le dresseur en herbe. C'est pour ça qu'il a des vêtements tout verts, comme l'herbe. Vincent! Envoie un psychoquack. Et où as-tu ton psychoquack? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un petit éclair? Ça va, corps. Oh! Un petit bout! Un microscopique petit bout! Arrête de blesser mon Magnéti! J'espère bien qu'en lui restant un PV, il va pas rester. Eh ouais, je t'ai battu, Vincent! Oh, tiens, j'avais pas vu ça dans Soleil! Ça sert à ça de faire des let's play. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Un féroce singe. Féroce singe femelle, un petit éclair.
points karaté. Ouïouïouï, c'est le... Paf. Alors... On va envoyer Neko. Miaou. Mais Flamèche, Croque-feu risque d'être un petit peu trop puissant. Il a loupé son croque-griffe. Enfin, son combo-griffe. J'aime bien les animations qu'ils ont fait pour que... Pour étonnement et... comment ça s'appelle celle-là? C'était... Poursuite. Ténèbres. Est-ce qu'on aura un ferro-singe dans notre équipe? Enfin, pour le Pokédex déjà. Ferro-singe attrapé. Kalinos montre au niveau 10. Pourquoi on lui a pas donné un nom? On va pas lui faire apprendre fer. Fatigué de sa colère permanente, il lui arrive de dormir, mais il rêve de ses frustrations, se réveille et se met en colère d'avoir été réveillé. C'est Colorman quoi. Je suis en colère tout le temps. Je suis le ferro-singe. Est-ce qu'on peut avoir autre chose dans ces hautes herbes ou juste des ferro-singes en colère? Un autre piaf avec. On va le capturer cette fois-ci, ce satané piaf avec. Petit Flamèche. Là, juste au-dessus... Ah, non, c'est de l'autre côté. Juste au-dessus, là, vous avez la petite affiche de Alex, de Chronoctis Express. Chronoctis Express, qui est un manga français. Si ça vous intéresse pas, désolé. C'est un très bon manga français. Vraiment, je l'adore. On va faire croque-feu sur la sur Piaf avec femelle, là. Ouais, KO d'un coup. Et une petite Pokéball pour Piaf avec. Il a un petit peu plus beaucoup de PV, mais il a quand même la moitié. D'accord, d'accord, on va baisser plus ton attaque. Ça fait de sacrés dégâts ce truc. L'échouille a aucun effet alors. Ouais, il l'a tué quand même. C'est dommage. Neko niveau 17. Ben dis donc, ça arrête pas de monter le niveau. Tempête de sable. Ça pourrait être bien. Au début d'un combat. Flamiaou évolue. Mon petit Neko va devenir moyen Neko. Ça va, il est pas trop moche. Quand il est en blanc, il est super bien. Flamiaou Shiny, waouh! Il est très fier de ses pattes avant musclées et ne se gêne pas pour les montrer en tordant des bras de fer d'un seul coup de poing. Un chat, ça peut pas faire des bras de fer. Même un chat Pokémon. Fais attention au type de Pokémon, c'est bien, mais faut pas oublier ceux des capacités. Et ouais. Agathe, et elle a une Super Ball. Un Chlorobule.
Bon bah Flamier, ouh, croque-feu un petit peu. Un chlorobule, où est-ce qu'elle a pu l'avoir? J'aime bien le... Il a fait ouh, comme ça. Pour faire son croque-feu. Elle est pas contente de perdre. T'as perdu un point, c'est tout. Il y a une Pokéball là. Bec pointu. Trop tard. On peut pas l'éviter. On va peut-être pouvoir le capturer ce piaf à bec. Dis-tu. Il est plus fort maintenant. Griffe. Vous avez vu, il s'élance. Bon, est-ce qu'on a une Pokéball spéciale pour les types vol? Non, alors ce sera une Super Ball. Ouais! Très bien. Et un autre Pokémon d'Alola capturé. Bon, puis Fabek. Pokédex s'agrandit. Alors, on va soigner nos Pokéball, hein, nos Pokémon. C'est pas là-dedans, celui-ci c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Heureusement qu'il nous avait donné des rappels. J'ai plus de potion normale. J'ai plus qu'une super potion et je veux monter magnétite de niveau du coup. Ah, j'ai des baies aussi si jamais. Si jamais j'ai des baies. On a retrouvé Lily. Doudou, ne t'éloigne pas trop. Ah, Tetsuya, c'est toi. Mon doudou s'est aventuré tout au fond de ce champ de fleurs. Il faudra que je batte les dresseurs. Alors qu'on vient d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu, voilà qu'il refait des siennes. Et il ne connaît aucune capacité en plus. Si des Pokémon sauvages l'attaquent, je crains le pire. C'est encore moi qui dois sauver Cosmog. Qui c'est qui va nous envoyer un Crypsapied, dis donc. Dommage pour toi, je t'ai déjà, du coup je te capture pas, je te liquide. Non mais tu pouvais mourir en un seul coup. Charge. C'est nul, charge. Et en plus il continue à se défendre. En plus il appelle de l'aide. Non, il n'y a pas un Papillusion Shiny qui veut venir me voir. Ça pourrait être bien, Papillusion Shiny. J'ai jamais vu un Papillusion Shiny. Oh, bientôt niveau 16 pour ma petite. Tu t'es prête. Un Boubidou. T'as des ailes, toi. On va t'électriser. Ah quoi, bon bément ça fait plus. Bon bah on va suivre le. Ah il est fait. Il est fait. Ça il est fait du coup. Acier c'est très efficace contre fait. Plus coup critique. Et oui, le temps de réfléchir. Au début d'épisode on a vu. Ah, il est type fait celui là. Caninos au niveau 11. Les membres de notre équipe commence à bien se défendre. Tup, 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 tup.
Une filet ball. Hop. Un chlorobule. On va essayer de le capturer et on pourra le laisser dans la file nulle. Oh non, tu vas pas récupérer ma vie quand même. Eh ben si. Ouais, il récupère pas mal quoi, la moitié de ce que j'enlève. Bombe et main, ça fait plus de dégâts ou pas? Ne pas le tuer avec un autre bombe aimant. Arrête de récupérer ma vie. Oh, une filet ball pour lui. Et en plus il récupère encore plus de la vie. On devra pouvoir le capturer là. Avec une filet ball. C'est pas une insecte, mais bon, quand même plante. Deux, trois, pas trop. D'accord, il aime pas. Vas-y, pique-moi encore des PV. Dans la fille des balles, ben qui est super bon. 3 et capturé. Voilà. Et un nouveau Pokémon. Celui-là, je l'ai pas dans Soleil non plus. ~18% du Pokédex de Mélé-Mélé. Non, je veux pas lui donner un surnom. Au revoir, Bombidou. Non, mais c'est pas possible. On va y arriver un jour. Bon, cette fois-ci, je te tue. Deux bombes sans que tu récupères 5 titres régénères, ça devrait le faire. C'est pas mal ça comme technique, hein, mon petit chlorobule. Tu m'as donné plein d'idées de techniques. Du coup, un autre bombément et puis ce sera fini de toi. Au singe au niveau 13. Est-ce que je vais inclure dans notre équipe? Peut-être, ouais, pour le moment. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a une Pokéball, il y a un truc. On est en train de bien s'entraîner là pour la suite de l'aventure. Les arènes type fait, me voilà, j'arrive. Enfin, pas les arènes, mais les épreuves, on va dire. L'épreuve type fait, me voilà. Ouais, parce que y a plus d'arènes. Mais là, je reviens là, en fait. Il faut que j'aille là-bas. Ouais, je fais genre j'évite les fleurs, mais non. Est-ce qu'il va y avoir le petit perroquet de cette zone? Non, décidément. Il n'y a que Bombidou. Je me demande qu'est-ce qu'est la forme de son évolution à Bombidou.
y a un Bombidou en moins dans cet air. Tu es vraiment intenable. Piou! Merci beaucoup, Tetsuya. Et merci aussi à Magnéti. Tiens, je vais soigner ton équipe pour toi. Merci, c'est très gentil. J'ai plus de potions. À propos, j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en inspirant du nectar des différentes fleurs. Il ne s'agirait pas d'une évolution, mais d'un simple changement de forme. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Il n'y a pas grand monde ici, mais ce n'est pas une raison pour faire le fou. Bon, je vais y aller, sinon le professeur va finir par se faire du souci. Bah, il s'inquiétait déjà, en fait. You, Tetsuya! Ah, et Lily aussi! Tilly, qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini l'épreuve, les doigts dans le nez. Hé, Tetsuya, faisons un combat là, tout de suite. Je veux savoir si l'épreuve m'a rendu plus fort. Tilly veut se battre. Pikachu contre Magnéti, c'est ce que tu veux. Ouais, on va faire charge. On ne devient pas copain avec l'ennemi, ça se fait pas. Bon, on va changer de Pokémon. Ce qu'ils ont comme truc. Ouais, Neko. Je vais lui faire un petit croque-feu, moi. Non, non, peut-être que croque-feu, ça va le... On va plutôt envoyer une flamèche. Et on va faire une petite force Z. Avec notre Flamiaou. Tu allais pas t'en avant. Tiens, je vais te donner une fessée. Chlorobule monte au niveau 11. Non, en fait, c'est bien que t'envoies un Pokémon plante. En fait, on est trop fort pour Tilly. J'adore étonnement. Vraiment. Notre croque-feu, j'aime bien le croque-feu. Niveau 18. Canine au niveau 12. Ça sert à rien parce qu'en fait. Ça c'est plutôt un tank. Canine il va pas donner un coup de main. C'est plutôt un coup de main qui devrait lui être imposé. Ouais, toi et moi on a vaincu le Pokémon dominant. On progresse. Ah là là, je me demande si j'arriverai à battre Papé un jour. Oh, Tetsuya, je vois que tu as retrouvé Lily. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Miss. Tilly, alors comme ça, t'as réussi l'épreuve. Tranquille, j'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Pour qui vous me prenez, professeur? Je suis sûre que le vieux Pectorius ne tient plus en place alors qu'il est. Hein? Pourquoi? J'ai réussi l'épreuve, ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papé. Exactement, le duel contre le doyen de l'île, c'est ce qu'on appelle la grande épreuve. Pour moi, qui étudie les capacités des Pokémon, c'est l'occasion d'assister à un match de combat. Un max de combat, plus cool les uns que les autres. Vous me mettez la pression, professeur. Allez, tous à Lily. Coupons le vent en arrière et descendons la route 3 avec style. Faut que je batte tous les dresseurs de cette route.
C'était un dresseur. Un grelosène, on m'a donné. Oh, il y a une capacité là-bas. On peut pas la voir. Du coup, on continue. C'est pas le pont qui s'est effondré. Ah! Caninos, t'as dit? J'ai pas de Pokémon de type eau pour le contrer. C'est Takumi! Takumi est sorti. Voilà, il a disparu de Fire Emblem. Il s'est reconverti en dresseur de Pokémon en fait. Sacré Takumi. Oh, pas très efficace. Pokémon. Magnéti, c'est pas le genre de Pokémon. On va mettre Neko. Peut-être Neko il va s'en sortir. Flamèche. Je vais te faire une échouille, moi. Je me rappelais pas d'avoir une langue aussi longue. Allez mon petit Neko, une petite attaque griffe. Oh, j'aurais pu faire la force capacité Z. Ça prend longtemps les capacités Z. Et je te fais une autre léchouille. Juste pour la cinématique. Du coup, tu me dois des sous-sous, Takumi. Et je t'ai encore battu, que ce soit dans Fire Emblem ou dans Pokémon. Une Pokéball! Super portion, ouais, merci à moi. Ils ont pensé à moi. Ah, tiens, il y a DB là-bas. Un Pokémon! Je m'avais dit, un Pokémon qui se cache là-dessous. Crabargar! Crabargar, bagarre. J'espère que ça va pas le tuer, éclair. Je crois qu'il est roche-haut, je crois. Ça va. Non, t'appelles pas la vie. Je suis pas d'accord. Je vais voir si bombément ça lui fait beaucoup de dégâts ou pas. Avec son œil au beurre noir de... Pas beaucoup de dégâts. Alors je vais faire bombément sur ce crabargar. Non, non, non. Je tue pas. Je tue pas mon Magnéti. Oh, elle est passée au niveau suivant. Vous êtes méchants. Hein. Mettre chlorobule. Volvi ou Vampigraine? Volvi, je crois. Est-ce que ça lui fait des dégâts, mon chlorobule? 3, 10. En plus, il y en a deux, quoi. Mais ça fait pas beaucoup, en fait. Qui sera plus fort. Oh, j'ai peut-être envoyé trop d'air dans le micro. Excusez-moi. Vampigraine. Wouah, coup critique. Ça, il fait du max, quoi. Je vais mettre une potion à lui. Non, une B. Non. Ouais, je vais lui mettre une super potion parce que si j'utilise une B au rang qui attaque tous les deux force machin là. Et
Écume! Pourquoi tu m'as pas attaqué Écume avant, toi? Ah bon? Le bulbe de... Mais c'est quoi ça? Mais il l'a tué en un coup alors qu'il faisait 10 de dégâts! Il y a un truc qui m'échappe. Bon, là ça rigole plus, hein. On envoie notre petit Critnap qui va faire dracorage sur ce Krabagar. Ouais, voilà, c'est ça du combat. On est en train de galérer votre petit Pokémon. Bélier contre quoi? Charge, tempête. Ça fait plus de dégâts. Bon, on en prend derrière, mais si on gère bien les PV. Non. C'est là, hein. Limite, tu casserais pas les... Mais de quoi je parle? Est-ce qu'il y a une évolution, celui-là? Ça nous fait un autre Pokémon d'Alola capturé. Il est pas mal, ce Krabagar. Avec son œil au beurre noir, ça fait... ça fait aussi le fin style. Il y a une évolution. Bon, je me demande à quoi... Ça va ressembler à son évolution. Pas de surnom. Et du coup, dans ce jeu-là, on ne plante plus les baies. Bah dis donc, il y avait beaucoup de baies sur ce truc. Oh, mais il y avait une Pokéball en plus. Faible balle. Là, t'es du coin, pas vrai, j'ai besoin d'aide, alors tu vas m'aider. Oui, je savais que vous étiez tous bien braves, Alola. Alors je t'explique, on est là en lune de miel avec ma chérie d'amour. Elle est tombée raide dingue de ce Pokémon que vous appelez Rokabo. Apparemment, elle adore les petits cailloux qui forment un... Ah, ouais. Du coup, il faut que je t'apporte un Rokabo. Et tu me donneras un pourboire. Donc il n'y a plus d'endroit, là. Du coup, je vais soigner mon Pokémon parce que sinon, ça va le faire. On rentre à la maison. On va faire dodo, vous allez voir. J'ai vu ça dans Soleil. Miaouz qui vient de nous embêter. Miaouz a fait tomber quelque chose. Tout mignon Miaouz. Nous a offert un réveil, du coup maman elle va nous soigner. Notre maman elle est vachement bien bronzée en un clin d'œil. Et du coup on va aller là où il y a le point d'interrogation, tout en haut là-bas. Il est beaucoup guidé ce Pokémon. Mais bon, dans un sens, c'est mieux. Pour les plus jeunes qui ne savent pas où aller. On va dire ça. Maintenant que t'as réussi la première épreuve, j'ai hâte de te voir à l'œuvre en combat. Je parie que tu aimais toute ton âme, comme moi, quand je surfe sur une belle vague. Je te tire mon chapeau. Je ne suis pas dresseuse, mais je dois bien avouer avoir été impressionnée.
Ça va pas être la tare de battre Pectorus, le doyen de Mêlée Mêlée. C'est LE spécialiste des Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance contre lui, mise sur les capacités de type vol ou psy. Type combat. On devrait s'en sortir. Donc c'est la fin de cet épisode. Donc au prochain épisode, on fera sûrement le combat contre Pectorius. On fera le dernier tour de l'île avant de passer à la deuxième île. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous laisserai vous abonner si vous avez envie de suivre notre aventure sur Pokémon Lune. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. La bataille contre Pectorius.